Bon, ben, bijoux, body tout le monde la gang. Jeudi 30 novembre 2024, non 2023. On va se détendre. Et puis, je suis à Montréal, au pied du pont Champlain, enfin, quasiment sous le pont Champlain, au pied même où étaient les anciens piliers de l'ancien pont Champlain, celui qui était tout en acier là, un petit peu. À la façon Eiffel, j'appelle ça moi. Et je vais ramasser des morceaux de l'ancien pont. Ou je sais pourquoi. Bref. Et puis j'emmène ça pas loin. Là, je fais du local cette semaine parce que je peux pas aller aux US, étant donné que j'ai coupé ma carte de résident permanent, vu que j'ai ma citoyenneté canadienne, pour ceux qui le sauraient pas. Oh, pardon. Oh, mais tiens, levé de bonne heure. Ouais, je suis citoyen canadien depuis mardi. 14 h à peu près. Bon, ça a l'air de merder. Si ça merde, je vais couper. Ça va pas être long, moi. Donc, ouais, c'est ça. Vu que je suis citoyen canadien depuis quelques jours, depuis 2 jours, il a fallu que je coupe ma carte de résident permanent. Ce qui fait que je peux plus, tant que je peux pas imprimer au moins mon certificat de citoyenneté, même je pense que le mieux c'est d'avoir le passeport. Je peux pas retourner aux US. J'avais un tour d'Iowa de prévu, mais il a fallu que je le cancel pour le choix. Du coup, je fais du local sur Montréal, là, aujourd'hui. Et puis, je vais faire un choix à Ottawa vendredi soir, dans une vendredi à samedi. Puis j'espère pouvoir partir aux US rapidement la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà. Et puis quoi d'autre? C'est tout. Si ça veut bien marcher, je vais vous montrer un petit peu le chargement. Je vais vous montrer où je suis. Et puis. Et puis voilà. C'est ça. Je regarde si ça marche et puis je continue à tourner. Bon, voilà. Donc vous voyez, ça c'est les estacades du pont Champlain à gauche. Et ça c'est le pont Champlain, le nouveau pont Champlain. Voilà. L'ancien, les piliers étaient là où on est, là, exactement. Donc nous. Essayer de le casser. Et donc voilà, nous on vient charger des poutrelles. Moi je devais prendre des trucs en oversize, mais je suis pas équipé pour, donc je vais pas prendre. Et donc ça c'est le nouveau pont Champlain, donc voilà. Et donc ça, c'est de Saint-Laurent. Les bateaux passent de l'autre côté, là juste derrière, là la butte que vous voyez là, il y a un petit chenal. Et donc ça c'est le nouveau pont Samuel de Champlain. Voilà. Là-bas le pont que vous voyez, le petit pont, c'est ce qu'on appelle, c'est le pont Victoria. Et celui que vous voyez encore plus loin là-bas, là, qui a des picots là, on va dire là, ça c'est le pont Jacques Cartier. Voilà, et puis plus loin là-bas, vous avez le pont Marcy de Parent, mais qui est beaucoup plus loin qu'on ne voit pas d'ici. J'espère qu'il va la casser la cabane là, parce que sans déconner, s'il met ça comme ça, c'est un vieux chien. Le mec, il pourra pas l'emmener. Donc voilà, donc là, il y a une grosse grue, 250 tonnes. Donc je suis en flatbed. Lui aussi, mais lui il a un flatbed. Ah si, je suis en jumeau aussi. Ouais, je pensais pas être en jumeau, mais lui. Donc voilà. Normalement, il doit y avoir un loadette pour charger ça là, parce que c'est beaucoup trop autrement. Et puis moi, je vais prendre des bims là-bas, là, comme ça. Là. Je vais prendre des bims, et ce qu'ils appellent, c'est des IPN. En acier, il y a tout ça en dedans. Il y a tout ça à emmener.
Ouais, j'ai au moins 2 tours à faire. Je m'en fous, je suis payé à l'heure. Ouais, alors du coup, je sais pas comment ils vont faire. Il y a ces deux gros morceaux là. Il y a l'autre là-bas. Et droit là-bas. Là. Ça, ils vont le toucher. Est-ce que c'est beaucoup trop haut? Ouais, je sais pas comment ils vont faire tout ça. Mais moi, ils savent que je suis pas équipé pour faire le Versailles. Donc voilà, ça, vous savez ce que c'est en fait les grilles ici. Vous voyez quand vous voyez les grilles. Promener en Europe, les flèches sont souvent devant. Et ben là-dessus, les flèches sont derrière. Ça, c'est accroché derrière la grille, avec un petit mot. La flèche de la grille est tournée vers l'arrière et elle est posée là-dessus. Voilà, et donc, quand il tourne, la tourelle de la grille tourne avec la flèche. Là, les contrepoids là, puis il y avait l'autre camion aussi, je ne sais pas, avec des contrepoids. Donc voilà. Voilà ce que je viens de faire ce matin. Mais je me suis renseigné d'abord à savoir ce que c'était comme chantier et tout ça parce que. Ah bah le Vlal Lodec. Donc il y a 3 camions en fait. Il n'y en a pas 2. Ok. Bah je suis pas prêt d'être chargé moi alors. Je suis payé à l'heure, tant pis, hein, c'est comme ça. Ouais, parce qu'il y a le deck qui est là, donc le fardier qui est là, pour pouvoir charger donc les morceaux qui sont hauts. Ah, vous voyez, il arrive là-bas. Ah, j'ai mon support qui est cassé, ma tabarouette. Bon, on va voir arriver le. Bah, en fait, c'est un fardier. Bah, en fait, ils finissent de nettoyer ici. Hein, ils vont tout nettoyer. Ça fait comme. Recyclage de métaux, bon, c'est une bonne à bois. Mais la cabane, il l'a foutu comme ça. Bon, ils vont la casser. Avec la pelle, sûrement. Je pense même que c'est ce qu'il va faire avec sa pelle. Donc là, vous voyez, il y a le fardier. Bon, c'est du Mondor. Hein. Aujourd'hui, je suis affrété Mondor. Pas du bois, mais bon, comme ça fait partie du groupe Mondor. Donc, il y a le fardier qui est là-bas. Je pense qu'il a toute sa place à lui après là. Pour qu'il puisse charger les hauteurs que moi je peux pas prendre. Moi je prends juste ce qui est normal. Allez, ça c'est un gomme local. Enfin, c'est 52 tonnes, 52 tonnes. C'est assez lourd, j'ai envie de dire, ça que ça paraisse. Elle nous fait une façon. Ouais, donc voilà. Pourquoi, mais je sens mal le truc, je sens mal. Bon, bref.
voyez, il charge le deuxième morceau. C'est beau le progrès, vous avez vu les casques avec les microphones et tout ça, ils communiquent entre eux comme ça maintenant. Entre les gars qui sont à terre et puis... le boutier, c'est cool hein. C'est pourquoi il s'est mis là, lui, mais bon. Je dirais 5-6 tonnes le morceau, ça par exemple avec un peu plus d'eau. Après je dirais bien 7-8 tonnes. Et ça c'est cool. Cool. Je sais que ça va pas loin, mais vous voyez marqué Transport L'Épiphanie. Transport L'Épiphanie, c'est la première compagnie que Mondor a racheté. Après il y a eu Assomption, c'était bien. Après il y a eu, non, il y a eu Dubois et il y a eu Dins. Donc voilà. Et donc ce que vous voyez dans le fond là-bas, bien évidemment, c'est Montréal. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à vous montrer. Il y a une tour emblématique ici à Montréal. Alors en fait ici là, on arrive par un petit pont. Ce que vous voyez là-bas là, c'est l'île des Sœurs. C'est la fameuse île où il y a eu des bâtiments qui ont été construits pour les Jeux Olympiques de 1967. Les Jeux Olympiques de 1967 et c'est des blocs de maisons, d'appartements qui ont été faits un petit peu bizarrement, qui ont été posés un petit peu bizarrement. Ça a été pas mal à l'abandon après les Jeux Olympiques. Ça a même été jusqu'en délabrement. Puis après, c'est reparti en force. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier très très huppé de Montréal, donc l'île des Sœurs. Voilà, et donc je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voici là. La tour là, vous voyez, allez, le toit est légèrement pointu. Ça, c'est ce qu'on appelle la tour des Jardins. C'est une tour assez emblématique de Montréal. Voilà, il y a un faisceau vert qui vient du toit, du sommet de la tour. C'est la tour des Jardins. C'est une des tours où il y a. Comment dirais-je, un immense centre commercial en bas, sur plusieurs étages, qui communique avec toutes les galeries souterraines où il y a les magasins, les fameuses galeries de Montréal. Et c'est là aussi, dans la tour du jardin, où il y a un putain de jet d'eau. Et il monte à 15 mètres de haut, dans la tour. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Donc voilà. Et là, ici, là, de ce côté-là, on est sur la rive sud de Montréal. Voilà. Le Saint-Laurent étant là. Donc voilà. Bon, ben, je vais couper pour l'instant et puis, je vais peut-être filmer tard quand on va charger. Allez, tantôt. Bon, ben voilà. Les gars sont chargés. Il faut 12 pieds de large, 12 pieds 2 ou 12 pieds 4, je sais plus. Donc 3 mètres. Non, 3 mètres 60. Lui, c'est passé juste parce qu'à l'entrée du pont, tout à l'heure, je vais vous montrer là. Parce que ça coupe. En Simonac, son histoire là. Du coup, il s'est fait un peu chier pour rentrer. Et là, il risque de se faire encore un peu plus chier pour sortir parce que, comme c'est beau, ouais. Donc lui, il est chargé. Donc, l'eau deck, enfin, c'est un fardier pour le coup, là, pour la hauteur. Et puis, là, c'est Patrick qui a pris, moi, ce que je n'avais pas pu prendre. Donc voilà. Et ça s'en va au pied du pont Jacques-Cartier.
Donc c'est deux camions de chez Mondor, enfin. Non, enfin si, du groupe Mondor, mais il y en a un, c'est l'Epiphanie, Transport L'Epiphanie, qui a donc été racheté. Et lui, c'est vraiment Mondor. Mondor. Donc voilà. Voilà, les gars, bon, je sais pas, il y en a pour 15 minutes, aller là-bas. Le problème, c'est qu'il faut ressortir, pour faire le tour là, derrière, là. On ressort là, on repasse sur le pont, là, vous voyez le char là-bas. On va jusqu'au bout, à droite, on reprend sur l'île des Sœurs, puis sur l'île des Sœurs, il faut reprendre une gargousse pour reprendre le pont Champlain, ressortir là-bas et retourner vers le pont Jacques Cartier que vous voyez là-bas, là. Celui qui a des gros piliers, là. Donc voilà. Oui, alors ça s'appelle Gay, oui. C'est ça. Levage Gay. C'est une très grosse compagnie de levage, c'est peut-être pas une des plus grosses compagnies de levage du Québec, hormis. Hormis Mamouette. Mais c'est une très grosse compagnie de levage, ouais. Donc voilà. Bon, eh ben moi, ils font une pause. Donc je vais attendre qu'ils reviennent et puis on va charger ensuite et je vous montrerai. Allez, tato. On va charger. Voilà. J'ai à peu près 45 000 livres, je pense. Donc 13 de strap, je suis bon en masse. Normalement, je mets des chaînes en travers devant. Là. J'ai 6 km à faire, ça devrait le faire, mais on va être encore beaucoup plus vigilant que d'habitude. Mais c'est ça. Donc je vais charger ça. Faut que j'appelle le client avant de partir d'ici, est-ce qu'il vient me chercher à l'autre bord là-bas. Bah du coup je vais vous montrer où je vidais tout à l'heure. Ouais, tato. Bon, vous voyez le pont que je vous disais là, c'est le petit pont, c'est ça là. Mais non, c'est pas un pont vers la circulation, ça, du tout. Et donc le pont Champlain est là, le nouveau. Voilà, vous avez Montréal devant vous. Et moi. Pardon, on m'a échappé. Et donc voilà, on va atterrir sur l'île des Sœurs. C'est 8h25, hein, c'est pour ça que je roule pas vite. Et là, vous avez le sud. Ça va, il fait pas trop froid. Il fait même relativement beau, donc c'est agréable. Et donc vous avez Montréal là-bas dans le fond. J'adore cette vue là-bas. Là, il y a le pont qui gâche. Là. Mais quand on est sur l'avant, on voit Montréal dans le fond, c'est magnifique. Et la nuit, c'est toute beauté. On verra pas les appartements tout biscornus là. Bon, il y a déjà 2-3 trucs qui sont. L'architecture est vraiment spéciale sur l'île des Sœurs. Donc, vous voyez là-bas, il y a à gauche, il y a un bâtiment là qui est à moitié en triangle. Et l'architecture est un peu spéciale. C'est devenu très coté aujourd'hui l'île des Sœurs. Danger, tabarnak, j'y suis à 25, pourquoi c'est danger? Va chier mon tabarnak. Donc voilà. Et là, en sortant, il faut que je reste à la guérite. Pour que. Et que j'attende qu'on me dise de décoller pour aller sur le chantier, parce que je pense que sur le chantier pour vider, il n'y a pas trop de place, c'est bilan de l'affaire. Je pense que je vais vider encore début d'après-midi. Donc voilà, ça c'est l'île des Sœurs, c'est un quartier de Montréal. Ça fait partie du quartier de Verdun. Là, depuis le Covid, à mon avis, il n'y a pas un petit bout d'appartement à moins de 2000-2005. Un petit, hein. Quand tu vois le prix, maintenant que ça coûte, les appartements sont partout au Québec, c'est malade. Hein. Le GPS est complètement paumé. Et qu'est-ce que tu fais là?
c'est pas moi, pas les palas, c'est voilà. Si ça va. Ouais, j'ai cax parce que j'ai appelé Je sais, j'ai pas le droit là, parce que je roule, mais à 25, je suis tout seul. Hein. Personne derrière, personne devant. Comme je suis tout seul, ben je fais qu'est-ce que je veux. C'est moi qui dit. Qui dit, qui rentre, qui rentre pas. On va rentrer trop tard. Ah, on va peut-être les apercevoir, si on va les apercevoir là-bas au loin, là. Mais vous verrez, vous mettez appartement 67 Île des Sœurs et vous verrez la tête des, la gueule des appartements. Je plains la gueule des déménageurs. Hein. Merde, je plains les déménageurs qui font des déménagements dans ces appartements-là. Il y a des endroits où il n'y a pas d'accès du tout aux voitures, hein. Vous faites la courette entre les appartements, les blocs, les machins, les trucs. Alors certains me diront, comme les Trois Soleils à Rennes, non. Parce que là, il y a même de l'extérieur. Oui, mais puissance 10. Voilà, vraiment. Bon, je coupe, j'en remettrai en route tout à l'heure. Bon, bah ça y est, on est rentré. Bon, c'était vraiment, vraiment chaud, apparemment. Puis, je suis rentré du premier coup, les gars me disent, oh, regarde, c'est toi qui es le mieux rentré, là. Bah, m'attendez à... Ouais, non. Ah, je vous montrerai en ressortant, là. Parce qu'il faut que je ressorte en marche arrière, par exemple. Si j'ai pas le choix, ça fait pas demi-tour. Mais non, voilà. Donc en fait... Le pont, ça c'est le pont Jacques Cartier. Ok. Le pont que je vous montrais tout à l'heure, là, qui avait des picots, comme je vous disais. Là. Et puis, en fait, il récupère ces vieux machins-là, ces vieux morceaux-là, pour... comment dirais-je ? Et puis ça aussi, pour réparer les morceaux du pont Jacques Cartier, qui tombe en morceaux. C'est rassurant. Hein. Ouais, donc c'est ça, je filmerai tout à l'heure. Je filmerai tout à l'heure en sortant, pour vous puissiez voir, mais bon, moi je m'attendais à bien pire que ça. C'est comme ça. J'ai anticipé, j'avais baissé le dernier. Le pop, le quatrième essieu. Pour que ça coupe un peu moins. Et du coup, non, franchement, j'ai connu des places bien plus pourries que ça. Donc je vais enlever mes straps. Ouais, puis je mange un morceau après. Bah et tantôt. Putain, j'ai failli me faire défoncer le nez. En fait, j'ai une équerre qui est tombé de là-haut, là, un écart en fer, et puis je l'ai pris, mais juste sur la ferraille de la monture de la lunette. On a eu de la chance. Je voulais vous montrer chat, je sais pas si... chat. Ouais, je voulais vous montrer chat. Je sais pas si je voulais déjà montrer. C'est pour enrouler sur les rouleaux. Parce que il laisse... sur les rouleaux. Alors, du coup, bah, je fais pareil. Je vais vous montrer. En fait, on met ça comme ça, voyez. Et ensuite, on tourne, on prend la strap et on tourne. Bon, c'est pas terrible. Bon, attends, je vais essayer de vous mettre là, là. Ouais, ça va peut-être plus facile parce qu'à deux mains, c'est quand même mieux. Voilà. Tac. Encore un petit peu. Et voilà. Je trouve ça pas pire comme système. Comme ça,
Il y a l'ergot là qui se met dans un des trous là. Ok. Et après, quand on tourne, ça va super bien. Franchement. On gagne pas mal de temps et surtout on fatigue pas du poignet. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas vraiment si du poignet, c'est l'avant-bras. Ah, bien. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous montrer ça. Bon, voilà, la grue, c'est une 200 tonnes, ça. Un peu moins grosse que celle qu'il y avait là-bas. Là-bas, c'est une 250 tonnes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ah ben, ça répond pas, mes mères. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le dolly, là? On voit bien, là. Voilà. Et là, du coup, il n'a pas de timon. Il pose le mât, là, et c'est le mât qui fait timon. Et là, deux crans, vous les voyez là-haut, là. Il y a deux axes. Et sur le bas du mât de grue beige, là, vous voyez, sous l'espèce de gros rouleau, là, eh ben, il y a deux points d'ancrage, ça vient se mettre là-dedans. Tac, il verrouille avec des axes. Et puis en fait, quand la grue la tourne, ben, la tourelle tourne et c'est ça qui sert de dolly. Je n'avais jamais vu ça en Europe, moi. J'ai vu ça uniquement en arrivant en Amérique du Nord. La première fois que j'ai vu ça, c'était à Montréal. Ouais. C'est assez bizarre. Enfin, bizarre. Ça marche très bien, hein, ça a fait ses preuves. Hein. Et je pense que il y a peut-être des endroits où ça passe mieux, je sais pas. Donc voilà, bon bah je vais couper, j'en mettrai route en sortant. Allez, tato. Dis-moi, tu vas voir les deux bavettes à l'arrière, là, les deux mode flap, je les ai coincées pour pas faire comme le collègue tout à l'heure pour les arracher. Okay. Est-ce que, avant de repartir, tu pourras me les remettre vite fait en place? Ouais. Je te remercie, c'est gentil. Bon courage, les gars. C'est pas grave, c'est mes cachets crous. Avec du plastique. J'ai pris un peu d'eau par exemple, là, peut-être. Ouais, c'est du plastique, ça coûte pas. Ouais, c'est ça, c'est pas grave ça. Ça coûte pas trop ton. À moins que tu veuilles le coller au maximum. Là. Non, non, mais.
Elle est haute à droite. Bon, vous avez dû entendre tout à l'heure quand je suis sorti, j'ai touché le plomb en béton là avec mes cachets crous. Du coup, j'en avais cassé. Bon, moi j'en avais d'autres, je les ai changés. J'en avais deux secours. Donc voilà. Ouais, c'est bien, sauf que Seb c'est derrière, c'est là. Voilà. En fait, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 qui avaient pété. Comme j'en avais. Il y a juste le sac à toucher. Ouais. Et ouais, c'est en surnageur, donc du coup, ben voilà. Et puis en montant sur le trottoir, j'avais la bavette là. Parce que le trottoir était assez haut, il a fallu que je recule dessus tout à l'heure. La bavette, là, elle avait commencé à s'arracher ici. Donc là, je l'ai remis en place. Donc voilà. Bon, et ben maintenant, on va rentrer à la maison. Et puis, allez boire une petite bière. Et bisous. Tato. Well, I believe in good vibrations.